Mais alors avec Azazel, pour changer un peu. Réduit tous les dégâts. Alors là, pour le coup, c'est un world record. Pour le coup, ça, c'est un world record. Personne au monde n'avait spawn avec ça. Alors, pour le coup, je suis choqué. J'ai même pas reset, hein. C'est genre, j'ai spawn. Augmente la 3% de la progression de cœur éternel. Les gars, on enchaîne les world records. Bah écoutez, YouTube, mais là, il y a beaucoup de VOD Isaac hein, qui arrive. Hein. Il y aura une VOD Isaac par jour. J'espère que la chaîne replay est content. Si c'est si facile. Est-ce que les gars, c'est impossible de Demon ou Angel Room à la première run par contre? Enfin, à la première room? J'ai pas de thune. Dose, t'as aucun world record. Ils en fait y'a aucun world record. En fait, moi je regarde CCU et Mr. MV depuis des années et c'est grave irrespectueux en fait ce que tu fais. C'est irrespectueux au possible. Vraiment. Oh, ça m'énerve les gens qui font des blagues. Oh, ça m'énerve. Ah putain. Ah, ça, j'en peux plus. Non mais. C'est insupportable en fait. Alors, non en fait, ok? C'est un petit streamer suédois qui a tous les world records sur Binding of Isaac. C'est le GOAT. Ah putain, j'étais persuadé d'avoir un world record. Ah putain. My bad là-dessus. Vraiment my bad. Let's go! Cœur blanc, c'est bien! Augmenter la portée! Attends, mais ça peut augmenter ma portée de ça? Ok! Trop bien! En parlant de Pokémon. Mais désolé, c'était Pokémon. Go! Comment ça les gars, j'ai 100% de chance d'avoir une Devil Room? C'est Azazel qui fait ça? Attends, les pièces ont 10% de chance d'être converties en sachets. Ah c'est trop bien ça. Mais comment on les convertit, genre ça le fait automatiquement? Deuxième étage, tu t'es pas fait hit un cœur rouge. Ah, et du coup, c'est 100% d'avoir une Devil Room si tu fais ça? Le problème, c'est que avec Azazel, on est d'accord, c'est de la merde les Devil Room. J'ai pas de cœur, frère. Enfin, moi, je suis pas fan, hein. De toute façon, je suis pas fan des Devil Room. Angel Room, je vais le dire, je suis plus fan, en fait. Déclenche l'effet d'un objet activable aléatoire. C'est quoi ça? Il se passe quoi? Ah! Non, mais non, je suis dégoûté! J'ai perdu un cœur, frère! Le mec, il m'a enlevé un cœur entier en plus! J'aurais pleuré. Si vous voyez des cailloux sympathiques, n'hésitez pas à dire ouais, il y a un caillou sympathique. Il est trop incroyable de caillou. Franchement, je préfère le Rebirth.
je sais pas la différence. Tiens. Hop. En fait, ça n'a rien à voir le Rebirth. Moi, je joue depuis 2014 et je peux te dire, je vois tout de suite la différence. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Putain, il y a la Devil Room, quoi. Gros caillou. Attends, il y a un caillou sympa? Vous mentez. Les gars, mentez pas sur les cailloux, c'est vraiment un sujet très sensible ici. Prends pas. Mais évidemment que je vais pas prendre la Devil Room. Je la baise, la Devil Room. Moi, je suis qu'un ange. Je suis un joueur ange, moi. Vous le savez très bien, les gars. Un joueur Angel Room. Brah! Est-ce que... Super laser de la mort. Ah, c'est juste le tour d'une salle? C'est dommage. J'ai bien aimé l'opté. Après, c'est pas mal en vrai. Ce truc-là, ça me fait découvrir les méga trucs. Ok, vas-y, dégage. Ok, attention, faut faire gaffe. Ok. Dégage! Dégage! Les gars, j'ai l'impression, je veux pas me porter l'œil. Donc, je vais retirer ce que je vais dire instant. Ok, je vais le dire et après, on va tout de suite oublier. J'ai l'impression que toutes mes runs Azazel, je les gagne. Voilà. On oublie maintenant ce que je viens de dire. Ça n'a pas existé. Je veux pas me porter l'œil. Mais. C'est dit, quoi. Mais oubliez. Oh non, putain, mais je me prends la petite merde comme ça, la petite. Est-ce qu'il y a un rocher marqué ici? Il n'y a pas de rocher marqué. Les gars, j'ai pas de vie, c'est la fin d'ailleurs, quoi, je pense. En fait, là, je pense que le problème de la run, ça va être la vie complètement. Et je comprends, hein. Ouh, attendez. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Attends, mais là, il y a tout qui est bien dans ce truc-là. Plus de dégâts, plus de tout. J'ai pas le temps de lire. Ok, dégage. Boum! Vas-y, reviens. Boum! Oh merde. Ouah! Moi je trouve, vu comment je joue souvent Azazel, je mérite de savoir son lore. Entrer dans une salle de boss recharge entièrement l'objet activable. J'ai risqué ma vie pour ça, j'ai envie de péter mon crâne, mais bon. Ouais, je pourrais chercher la salle secrète, non? J'ai l'impression que la salle secrète elle est là. Pour des raisons évidentes. Ouais. Ah, d'accord, pardon. Non, désolé. Non, je vois que je dérange et je voulais pas du tout. Non, attends, je vais casser ça au cas où. Donc là, on peut pas. Attends, on peut ici? C'est impossible que ce soit là, on est d'accord? Par contre, ici, c'est complètement canon que ce soit là, non? Ok. On arrête de jouer, c'est ça que t'es en train de me dire? Là alors! Et on n'en parle plus. Ok, bah pardon. Et pourquoi t'es moi en plus beau? Nico en arc-en-ciel? Ah, mais je peux pas taper. Ah si? Attends. Non, mais qu'est-ce que tout le monde fait? Qu'est-ce que je fais? Allez, Angel Room. Y'a pas d'Angel Room? Y'a pas d'Angel Room là? Est-ce que je prends la pilule, les gars? Paralysie. C'est quoi ça? Ok, c'est juste un moment. Bah, c'est trop dur là, j'ai deux cœurs, frère, pour l'étage numéro combien? En vrai, je suis qu'à la moitié de la run. Oh, j'ai débloqué Eve! Ils me disent les succès. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai débloqué un nouveau personnage.
Mais ça, ça a jamais marché là. Cœur éternel de quoi? Ça a jamais marché. Rocher marqué, OMG! Bon, les gars, un peu plus réactifs sur les rochers marqués, ce serait pas mal. Vraiment. Bah oui, les mecs, bah oui, vous dormez, vous dormez. Pétrifie tous les ennemis de la salle et inflige des dégâts. Mais ça, c'est pas mal, Rico Géant, non? My bad. Bah ouais, bah ouais. En fait, c'est des rochers avec des croix, mais... Laissez tomber, c'est que les élus, apparemment, qui peuvent trouver ce genre de trucs. Ça, non. En fait, il y a une personne sur 100 à la naissance qui peut découvrir. Enfin, voilà, par exemple, ça, c'est un rocher marqué, vous voyez. Juste, j'ai pas de bombe. Mais encore une fois, c'est parce que, voilà. C'est une personne sur 1000 qui apparemment qui peut. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Lune, c'est quoi déjà? Téléport qui se donne dans la salle secrète. C'est pas mal. Ah non, mais j'avais des bombes en plus. Salle secrète, OMG? Ok, le gros caca virus de la salle secrète, c'est pas mal ça. J'ai 67% de chance d'avoir une Angel Room. J'ai été touché par ça, j'ai envie de tuer quelqu'un. IRL. Vitesse augmentée, pas mal. Réduit la prix des objets. Oui! Oh mais mec, je me prends trop de dégâts. Il me faut des réceptacles de cœur. Je vous en supplie, si quelqu'un voit un rocher marqué, tapez Zizi dans le chat. Rocher marqué. Je pense pas. Je pense pas. Genre là, il y aurait autant... Non, je pense pas. Je pense que t'es un gros menteur. Je pense pas. Non, mais là, je commence à prendre des dégâts de con. Je commence à être complètement bourré, les gars. J'ai fait trop de game d'Isaac d'affilée. Je peux pas en faire plus de 3 d'affilée, sinon mon cerveau, il crame. Merde. Oh, merde. Oh la galère. Oh, putain, il est trop bizarre cet étage. En vrai, est-ce qu'on finirait pas cet étage? On a l'Angel Room et on passe un bon moment. Angel Room, appelle-moi ce soir. Angel Room. J'ai pas eu l'Angel Room? Quoi? Là, j'ai pas eu l'Angel Room. J'avais 72% de chance, j'ai pas eu l'Angel Room. Ok. La super secrète. Ok, si quelqu'un a la super secrète, ça pourrait être pas mal. Là, j'imagine. Ouais, bon. Pas besoin d'être un génie pour la trouver. Ok, d'accord. J'ai envie de pleurer. C'est qui ces deux nerds là, de cons là? C'est la première fois que je vois ces deux nerds. Transforme tous les coffres en coffres rouges. Bah ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Mais d'accord, coffre rouge, les gars, c'est genre juste mieux, non? Dans mon lore, les coffres rouges, c'est juste mieux. Hein. C'est vraiment dans mon lore. Hein. Si vous voyez un rocher marqué, je vous en supplie. Je vous en supplie, les gars. Carte a permis de porter deux objets activables. Vas-y, on le prend. Juste à... Les gars, est-ce qu'on mettrait pas de l'argent de côté? Pour les prochaines games. De toute façon... Je peux dire que cette run est perdue, parce que ce serait pas bien de dire ça. Ce serait pas bien de dire ça. Est-ce que c'est vraiment pas bien de dire la vérité, genre? Non mais voilà, genre.
suis honnête au bout d'un moment. Genre juste la vérité au bout d'un moment. Bah ouais, j'ai 3 cœurs. Je suis nul au jeu, je me prends tous les dégâts possibles. Rocher marqué ou pas? Attends, pas de rocher marqué? C'est quoi ça? Oh non, des pendus! Oh non! C'est horrible! Oh non! Ça non! Ok, il y a des méchants ici. Là, je suis bien avec Azazel. Hein. Il me faut juste des cœurs, quoi. Il faut juste un peu d'amour. Waouh! J'ai besoin d'amour, les gars. Là, s'il n'y a pas un rocher marqué. Il n'y a pas de rocher marqué dans tout ça, là. Ok. Intéressant à savoir. Oui, d'accord! Ah, les coffres rouges. Allez, trop bien, les coffres rouges. Trop bien. D'accord, donc là, je vais risquer ma vie pour 3 mouches bleues que je vais perdre dans ce combat-là. D'accord, donc j'aurais dû littéralement, je pense, faire le boss avant. Parce que là, du coup, je vais aller avec le boss avec moins de vie. Je suis une grosse merde, je me déteste. Ouais, je me déteste. Ok, je me déteste pas. Ok, tout ce que je viens de dire là, vous oubliez totalement. En fait, je suis peut-être le génie originel même. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait des génies et puis genre c'est moi qui ai créé les autres génies en fait. Pourquoi j'aurais retiré le symbole nu? Je teste un ou deux jours, mais si c'est nul, je le remettrai. Je fais des tests. Selon les jeux, selon les heures surtout. Selon les moments, peut-être pendant les vacances d'été, mettre Sobolny. Mais peut-être pendant les moments normaux, ne pas les mettre. On ajuste le tir. Je vais faire le boss. Attends, j'ai combien de chances de l'Angel Room? Mais pourquoi l'Angel Room, je suis passé à 36 là, ta grand-mère? Non, je rigole pas du tout. J'étais à 72 là, le dernier tour, et là je suis à... Mais putain, mais lui c'est un gamin, frère. Il a 8 ans d'âge mental. Oh non. Pardon. Angel Room, dans tes fesses le jeu. Voilà, tu as parfois des larmes sacrées. Je sais pas si ça marche avec Azazel, mais... Oh là là, tous les cœurs bleus. Ils m'ont tellement entendu. Oh là là, ils m'ont tellement entendu. Ils m'ont tellement entendu. Non, pas allumette. Attends, c'est quoi ça? Oh non. Entrer dans une salle hostile, non. Immobilise tous les familiers de Zach. Moi je l'appelle Zach maintenant. La 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 la. Tu peux arrêter de me tirer dessus s'il te plaît mon ref? Les gars, depuis que je joue Angel Room, c'est beaucoup plus facile le jeu. Hein. Je pense que 95% de mes problèmes étaient dus... au Devil Room en fait, qui m'a enlevé la moitié de ma vie. Genre, je veux pas faire le noob, hein. Mais là, bizarrement, Angel Room, je trouve les objets beaucoup plus forts. Vraiment 100 fois plus forts. Attends, je vais prendre ça déjà. Maintenant que j'ai compris le concept d'Angel Room, je suis mais imbattable. Double les dégâts. Ah non mais Angel Room c'est vraiment la vie en fait. C'est même pas la vie, c'est l'avenir. C'est. Je suis fier en fait d'être dans un pays où on peut utiliser Angel Room. Je sais que dans d'autres endroits dans le monde c'est pas aussi facile que ça. Et...
Ça paraît deux cœurs d'âme. Plus 5 bombes, mais donne-moi les bombes. Bah là, les gars, on pète la gueule aux méchants, non? Enfin, genre, j'ai même pas envie de me prendre la tête à vouloir faire genre... J'explore. Oh, c'est la daronne. Hi, Zach. Hi, Zach. Merde, on va toucher la daronne. Hi, Zach. Isaac. Putain mais elle rigole. Attends mais vraiment genre. Les gars, la daronne c'est un peu une connasse non? Savonnette. What? Attendez les gars, pousse urgent. C'est quoi le truc à gauche? Spoilez-moi, j'ai pas envie de gâcher ma run. Déjà de une, est-ce que si je prends l'objet, ça gâche le truc à gauche ou pas? Prends sa bonnette et go. Ok. Quoi? Sac à bombe, fait apparaître devant toutes les deux salles. 50% de chance de nullifier un dégât infligé par Isaac. Par un projectile. Place une peluche qui attire les ennemis et explose après 5 secondes. Isaac répand derrière lui une traînée d'eau et inflige 66% des dégâts. Je prends quoi? Infamie? Ah et après c'est un boss rush. Ouais mais les gars, boss rush égale une nouvelle fin ou pas? Moi je veux faire des fins en fait, j'ai pas envie de gâcher ma fin là. Non, c'est un succès. Ah, oh, je m'en branle de ouf. Ah, moi, je veux faire ma fin. Hein. Ah, les gars, je suis désolé pour les actes sexuels. Les gars, je veux faire ma fin. Je veux pas perdre 40, enfin 20, 30 minutes et tout de run. Bon courage. Ah, moi, je veux faire ma fin, moi. Fou, quoi. Ok, dommage. On regarderait une vidéo YouTube. je suis vraiment désolé. Je suis très premier degré. Je veux vraiment faire mes fins. Après je ferai les succès comme ça, je m'en fous moi. Si vous voulez voir des trucs comme ça, allez voir chez You, les Mister MV et tout. Moi je découvre tranquillement. Hein. Plus faire un truc où je sais que je vais perdre à l'avance et tout, genre là c'est juste perdre du temps là. Mais pour une fois que j'ai une run où je peux aller au bout, je vais pas la gâcher pour... non mais c'est marrant. Il n'y a pas de marrant là. Le football il a changé. Vraiment. Le jeu coûte 20 balles hein, au pire. Hein. Sinon, faites vos trucs. Hein. Au pire. Si vraiment vous voulez jouer à votre manière. Le jeu coûte 20 balles. Hein. Vraiment, vous bossez 3 heures, je crois, et c'est bon. Moi, je peux pas me permettre ça. J'ai 22 fins à faire, les gars. Vous vous rendez compte de la longueur du truc? Ouais, j'ai pas envie de prendre la pilule. Non. Oh merde, je me suis hit là. Non, pour le coup, vraiment, go focus la fin. Je suis désolé. Désolé pour les gens challenge. Si vous êtes vraiment des amoureux du challenge, normalement samedi, on commencera l'arc Sekiro No Death. Avec la fin avec Isshin Prime, hein, attention. La vraie fin, pas la fin de salope. Isshin Prime, le boss super dur là, dont des gens ils disent qu'il est plus dur que Malenia. C'est pas vrai. Après, je l'ai pas réaffronté. Mais je suis quasi sûr que. Ouais, non, ce sera plus dur. Mais... Je suis même au point de penser que. Je vais peut-être dire une dinguerie, hein, mais je pense que... Enfin, non. J'ai une théorie comme quoi, en fait, genre, je pense... Même... En fait, on est un peu dans l'euphorie du DLC, mais je pense que encore aujourd'hui... Malenia est le boss le plus dur à Noite Delta Lake.
Même avec Radahn Prime. Ouais, je pense que Radahn Prime est plus simple à noyer que Malenia. C'est quand Sekiro. Je viens d'apprendre. Ce week-end, normalement. Après, je sais pas, il faut que j'apprenne la run, mais... Je pense que si j'apprends la run 2 heures par jour, ce week-end, on pourra commencer à au moins savoir où aller. J'ai très très peu d'heures de jeu sur Sekiro. Chaque zone, pour moi, limite, je redécouvre. Fin Ashura. Fin Isshin. Je sais pas comment elle s'appelle. Fin Isshin Prime. La vraie fin, quoi. True Ending. On est d'accord, les gars, il y a plus de 7 des trésors à cet étage. Practice en live. Ça dépend. Si tu n'as pas de succès pour débloquer des objets, tu vas vraiment galérer pour les dernières fins. C'est bien. J'aime bien. J'aime bien galérer. C'est dommage de m'avoir backseat ça, du coup. Que j'allais galérer, genre. Ça aurait été cool que je découvre par moi-même. Mais... Les jeux indés genre The Last of Us. J'avoue que The Last of Us c'est un petit jeu indé sympa, ouais. Pas trop connu et tout. Les mecs ils pensent que si c'est pas FIFA c'est pas assez... C'est un jeu indé. C'est tout sauf un jeu indé, hein, The Last of Us. Hein. Et vraiment tout sauf un jeu indé. Hein. C'est une des boîtes les plus connues et reconnues dans le jeu vidéo qui l'a fait. Avec un budget de malade. Un D, c'est genre quand il y a 2-3 personnes quoi. Mais ouais, j'aime bien The Last of Us. Enfin, je fais que le 1, mais triple A. Ah oui, c'est complètement un triple A. C'est complètement un triple A. Ah, c'est complètement un triple A. Ça, on peut le dire. Oh là là, cette salle va être chiante. Mec, j'ai l'impression d'être Radahn Prime avec les colonnes de lumière là. Mais moi j'aime tous les jeux, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé un jeu. Genre j'ai joué, je me suis dit c'est vraiment mauvais, j'ai même pas le souvenir. Ah, Valorant. Oh, c'est Valorant, ouais, le dernier jeu où je me suis dit vraiment c'était vraiment très très nul. Mais vraiment très mauvais. Dans le pas fini quoi, en fait. Mais peut-être qu'ils vont finir le jeu, hein, je pense. Mais quand j'y avais joué, genre il y a un an, je me dis ah ouais quand même. Genre après avoir goûté à CSGO, tu te dis putain Valorant c'est vraiment genre le début quoi. Pas de map, pas de perso, y a rien quoi. Même Gibbs le disait, mais en vrai j'étais grave d'accord avec lui. Hein. Après c'est le début, c'est normal, mais Valo c'était très mauvais. Valo c'était très mauvais. Après avoir fait genre 4000 heures de CS, jouer à Valo ça fait bizarre tu vois. On se dit ah ouais. Ah ouais. C'est... Ça m'avait un peu étonné. Ok, veut de la thune lui. En vrai, je suis chaud de lui en donner. Hein. Il va donner quoi? Plus un réceptacle de cœur, mais c'est tellement incroyable quand il se passe des choses comme ça. Provocation ensuite en DM. Je sais pas. Non, je pense que tu peux provoquer et insulter les gens d'aime. Ouais. CS, c'est un jeu où j'ai l'impression que tout le monde a 2000 heures de jeu. À CS, il faut beaucoup s'investir. Hein. Puis le jeu, il date aussi, tu vois. Alors, c'est pas une dinguerie en vrai d'avoir 2000 heures sur CS parce que. Ouais. Donc le jeu il date de 2012. On peut arrêter de me saouler avec des mobs de merde ou pas? Non mais voilà, non mais je le dis. Oh non. Elle est vraiment bien cette run hein. Putain. Tu t'es classé quoi? Global. Global 8.
Après moi j'ai jamais été mauvais au jeu hein. Je sais pas pourquoi au début quand je faisais que du Pokémon les gens ils pensaient que j'étais mauvais au jeu vidéo. J'ai vraiment jamais été mauvais au jeu vidéo. Dans tous les jeux auxquels j'ai joué j'étais bon quoi. Minecraft j'étais bon. CS j'étais bon. Pokémon j'étais bon. Vu que peut-être que je faisais que du Pokémon au début, les gens pensaient que j'étais nul et pas un joueur compétitif, ça. Ce qui est assez bizarre, mais. J'ai toujours été bon. C'est la première run de ce soir. Non, troisième, je crois. Troisième, on en a gagné deux. On a gagné toutes nos runs. Non. Attends, on a gagné toutes nos runs. Il y a un monde où on a gagné carrément toutes nos runs. Tempérance, c'est quoi déjà? Ça paraît une banque de sang, j'en ai rien à faire. C'est... voilà. Je joue pas pilule avec Azazel, hein. J'ai pas envie de prendre le risque d'avoir moins de trucs. Cœur de maman, ok, on essaie de finir la run. Ça va être un peu dur hein, pour moi. Oh, c'est excellent. Oh, dommage. Putain. Oh là là, c'est trop chiant. Là. Avec Azazel, j'ai énormément de mal hein, à toucher les PNJ. Oh putain, mais aller jusqu'au PNJ vraiment sans se faire hit, c'est trop dur. Ah, oh, je fais pas de dégâts. Ah, là c'est bien, c'est du bon. Du bon caca là. Oui, c'est gagné. Les gars, je ne fais que gagner des rails aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que j'ai gagné les 3 runs là. On a perdu une run aujourd'hui ou quoi? 3 d'affilée, mais non. Il est pas mort dans cette fin.